Hello, hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi, on est le 6. Et on est devant l'école de Maëlys. Elle n'a pas envie d'aller à l'étude du matin ce matin, donc du coup on est dans la voiture, on poirote. Et madame regarde des vidéos sur YouTube, comme d'habitude. Donc voilà, il est donc 8h-10, j'ai même pas mis ma montre. 8h-10 je crois, moins 5, 8h-5. Et j'attends de déposer Maëlys à l'école et ensuite je file direction mes ongles. Enfin je vais faire mes ongles et franchement j'avais tellement hâte parce qu'il y en a 3 qui se sont cassés, mais c'est pas grave, du coup on va me faire une petite rallonge sur ces 3 là. Donc c'est pas bien grave. J'ai trouvé un beau modèle qui me plaisait bien là, j'ai trouvé ça joli, donc je vous ferai voir tout ça après. Et ensuite j'attends de savoir si Alison finit à midi ou à 3h, si sa prof de français est là ou pas. Sinon il faudra que j'aille la chercher à midi. Shirley finit à 3h et puis ensuite Maëlys et Myron à 4h30. Normalement il y a le téléphone des filles qui devrait arriver entre temps aussi aujourd'hui. Donc on croise les doigts parce qu'avec les grèves et tout, ça risque de peut-être avoir plus de retard, je sais pas. Et puis voilà, franchement rien de bien spécial sinon prévu aujourd'hui. Pour ce soir, je sais même pas ce que je vais faire à manger. Clairement, j'ai pas d'idée de ce que je vais faire ce soir. Je vais regarder ce qui me reste. Et il faut peut-être aussi que je commence à préparer justement mon drive. Voilà, ça serait pas mal. Et puis voilà, il fait franchement encore froid ce matin. Ça a encore gelé. Beaucoup de brouillard. Voilà, c'est l'hiver quoi. Bon bah écoutez, on va regarder nos petites vidéos avec Maëlys. Et puis on vous dit à plus tard. Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night. Les amis, voilà, je suis sortie, ça y est, mes petits ongles sont faits. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait du coup dessus. Je suis devant le collège d'Alison, il est 11h30 seulement. Je vais devoir paroter pendant 40 longues minutes. Comme ça, ça m'évite de faire un aller-retour pour rien jusqu'à la maison. Et ensuite, on rentrera à la maison, le temps que je fasse un petit brin de ménage, etc. Elle va manger. Et ensuite, à 3h, je retourne chercher Charlie. Donc je pense que j'aurai quand même le temps entre midi et 15h d'astiquer. Et au moins, j'aurai pas à le faire ce soir. Leurs téléphones ne sont pas encore arrivés, mais ils n'ont pas été livrés aujourd'hui. Donc je croise les doigts pour que ça arrive avant la fin de la journée avec les grèves et tout. Je ne sais pas. Sinon, ce sera peut-être demain. Je ne sais pas du tout. On verra. En plus, du coup, j'avais oublié, mais ce soir, Alison, elle a le champ. Donc ça fait que quand j'ai récupéré Charlie à 3h, je retourne à la maison pour la déposer. On attend avec Alison. À 4h, je la dépose à son cours de chant, parce que c'est à 4h30, donc elle reste toujours un petit peu, parce que du coup, je ne peux pas la poser à 4h30 au chant et récupérer Myron à 4h30, c'est pas possible. Donc je la dépose toujours un petit peu avant d'aller chercher Maëlys, après je vais chercher Myron. Et quand on aura été chercher Myron, on retournera à l'école de musique et puis on attendra la demi-heure là-bas, ils goûteront sur place. Comme ça, ça nous évite de faire un aller-retour en plus. Entre temps, il va falloir sûrement que je fasse un aller-retour aussi pour Andrew, parce que je ne sais pas exactement à quelle heure il finit. Donc s'il finit entre, voilà, entre 2h30, 3h que Charlie finisse, ça va tomber pile poil. Je pourrais récupérer les deux en même temps, mais sinon il faudra que je fasse un aller-retour entre temps. Voilà, voilà pour les news. Allez, je vous fais voir mes petits ongles. Donc voilà qu'est-ce que j'ai fait pour les fêtes, évidemment. Donc là, il y a un petit flocon de neige. Celui-là, il est canon. J'adore le pailleté de celui-là. Il est trop, trop beau. Là, il y a quelques paillettes effet, vous savez, de neige qui a que la moitié. Et puis là, il y a les deux qui sont gris. Comme ça, gris pailleté. Franchement, ils sont canons. Et dans l'autre main, c'est l'inverse. C'est là, c'est le gris clair qui est là. Là, il y a le flocon et les pailletés sont là. Voilà. Je suis contente, j'ai de nouveau des ongles corrects. Bon bah du coup, je vais sortir le téléphone, puis je vais regarder les copines, puis je vais regarder vos commentaires, etc. en attendant. Voilà. Voilà. J'en connais deux qui vont être ravis. Donc ça, c'est celui. Donc ça, c'est celui de Shirley. Voilà, voilà. Et ça, c'est celui d'Alison. Voilà. Donc Alison, elle va être comme une dingue, je le sens bien, je le sens bien. Alison, et du coup, c'est même pas moi qu'elle a vu, c'est juste la boîte que j'avais ramenée là. Elle m'a couru dessus comme une cinglée. Donc voilà, elle est trop contente. Il est grave. Bon, je lui dis qu'il faut pas qu'elle s'enjaille parce que là, entre midi et deux, faut qu'on mange et il faut que je fasse le ménage. Et puis ensuite, on fera les choses. Voilà.
Putain, en plus il est lourd quand même, je pensais pas. Bah c'est parce qu'il y a plein de trucs dedans, après la boîte elle est lourde. Enfin voilà. Bon du coup nous rentrons à la maison. Manger un petit bout. Voilà voilà, madame Alison, elle a déballé, elle a ouvert. Du coup on va essayer, on va commencer à le mettre en route. Alors en fait, il faut juste mettre de la cassine, après tu l'allumes. Voilà. Voilà voilà, on va commencer à le mettre en route de suite pendant que c'est en train de chauffer à manger. Il est 13h, je viens de finir de Miami, je viens de finir aussi de faire l'installation de tous les trucs pour Alison, créer son compte Apple, etc., etc. Du coup, je vais vite faire nos deux petites assiettes de vaisselle et je vais mettre un petit coup, voilà, un petit coup d'aspi minimum, etc. Demain, c'est samedi, on n'a rien à faire demain matin. Je vais pouvoir prendre le temps, voilà, de faire tout le bas à fond et tout. Et puis, je ferai le haut dimanche matin. Là, je vais vraiment mettre juste un petit coup histoire que, voilà, que la maison soit propre. Vous savez qu'il faut au moins minimum un coup d'aspirateur dans la journée. Bon, sinon, j'ai une trop mauvaise nouvelle. Je suis dégoûtée. Mais bon, voilà, après, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir dans la vie. On devait avoir mini patate lundi. On devait aller le chercher lundi. Et il y a un petit souci, on va dire, et le monsieur, du coup, n'est pas disponible. On peut y aller que jeudi matin. Donc, du coup, on y va jeudi matin avec ma soeur. Ça nous fait attendre encore 3 longs jours de plus. Je suis dégoûtée. Mais voilà, après, comme je vous dis, il y a des choses qu'on peut pas prévoir. Le monsieur a des soucis dans sa famille, etc. Donc, voilà, il y a des choses plus importantes. Et évidemment qu'il a d'autres choses à gérer plus importantes. Donc, c'est que repousser de quelques jours. Certes, c'est super long parce que ben, on attendait, on décomptait. Donc le décompte, il se rallonge au lieu de se rapetissir. Mais voilà, d'ici jeudi, c'est pas grave. D'ici jeudi matin, il sera là. Et je me dis, à quelque part, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, au moins, lundi, je peux quand même aller à mes ateliers. Je peux passer la journée là-bas, comme d'habitude, etc. Et ne pas louper. Et ça fait que du coup le mardi il sera pas tout seul, etc., parce qu'il devait rester tout seul du coup le matin quand j'allais aux ateliers, pardon. Et du coup là je l'aurai jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà, j'ai rien, je peux le prendre avec moi de partout. Il va avoir le temps de se faire quelques jours, etc., avant qu'il soit seul par exemple le lundi matin. Donc je me dis bon voilà, au pire c'est pas plus mal. J'essaie toujours de voir le bon côté des choses, en fait, de pêcher le bon dans le mauvais. Je me dis que voilà, bon, c'est pas grave, c'est juste un petit peu de temps supplémentaire. Mais il m'a dit qu'il allait super bien. Il m'a dit qu'il allait essayer de m'envoyer des photos dans la journée. Ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de photos, qu'on n'a pas vu comment il a évolué. Donc voilà, si j'ai ça avant la fin de la journée, je vous ferai voir ça. Oui, maman, c'est pourquoi parce que j'essaie de me recréer un compte Insta vu que j'ai plus mes mots de passe Facebook. Ah, bah, je suis obligée. Ah, on me l'a envoyé enfin. D'accord. Ça, c'est ça avec les petits, là. Ils sont toujours en train de créer 50 millions de comptes. Et ils changent 50 millions de fois de mots de passe. Du coup, ils ne se souviennent plus. Voilà, génial. Bon, j'arrête de blablater parce que du coup, il va falloir que j'aille chercher Shirley. Et je vais pas avoir le temps sinon. Donc, je vous fais des bisous. On se retrouve un petit peu plus tard, une fois que je vais récupérer les loups. Avec madame Charlie, cette fois-ci c'est Charlie, c'est pas Alison qui est à côté de moi. Elle a son téléphone et elle en peut plus. Donc Alison, ça y est, on a tout fini, on a tout configuré, elle a déjà installé ses applications. On a fait une photo d'elle. Et du coup voilà, Charlie elle a le sien. Donc on va vite rentrer. On va lui configurer, lui faire les machins, etc. Là on a une heure à peu près pour le faire. Donc on va avoir le temps parce que ça allait relativement vite quand même pour Alison aussi. Puis en plus maintenant qu'on l'a déjà fait une fois, ça va aller encore plus vite. Andrew ne rentre pas du coup entre ces deux services parce qu'il restait à l'usurstock avec son chef et ses collègues de boulot, etc. Donc après j'ai juste à aller chercher Maëlys et Myron. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et Alison elle a le champ. Donc il faut qu'on se speed. C'est le mec qui filme un petit peu plus. Donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. Ça y est, on va chercher les autres loulous. Ta veste, Alison, ça serait pas mal? Non, ça va. Si, tu mets une petite veste parce que sinon, tu mets ma bigamie s'il faut ou quoi. Mais, donc, tout est paramétré niveau téléphone, même pour Charlie, on est tranquille. Donc voilà. Allez, veste Georgette. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les coques. Elles arrivent. Les coques et les verres trempés. Ouais. Les coques et les verres trempés, ils arrivent lundi. Donc il y a juste à faire bien attention d'ici ce week-end parce que. J'ai pas rajouté mes photos.
Donc je suis obligée de mettre celle-là. Allez, go. C'est parti. Oh, 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 regardez qui est là, les amis. C'est mon beau gosse. Je suis de retour, I'm back. I'm back. Ça fait une semaine que t'es I'm back, mais que du coup, t'es toujours au travail quand on filme. Ouais. Du coup, le beau gosse est de sortir avec sa veste parce qu'il se pèle le cul. Il fait froid. Ouais, il fait froid. Hein. Pourtant, à la maison, il fait bon, là. Yo. C'est toi, t'as qu'à pas aller dehors. C'est bien fait pour toi. Du coup, Maïlys, elle est trop contente parce qu'elle a récupéré le téléphone, l'ancien téléphone de Shirley. Et elle peut regarder ses vidéos sur YouTube. Elle peut mettre ses jeux. Mais non, je peux pas regarder mes vidéos. Mais si, tu peux. Non, regarde. Mais bien sûr que si, mon amour. Oui, mais parce que voilà, regarde. Hop, faut juste que je le mette à jour. Voilà, mettre à jour. Et ça va se mettre à jour et après, tu vas pouvoir regarder tes vidéos. Donc voilà. Tu vois, regarde, c'est en train de charger. Et dès que ça va être chargé, hop, 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 tu vas pouvoir regarder YouTubeuse. Myron, lui, a récupéré celui de Allison. Voilà, donc pareil, on lui a tout mis à zéro, etc. Il peut mettre YouTube, il peut mettre tous ses jeux et ça va les empêcher de prendre les nôtres. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'ils sont toujours en train de nous prendre les nôtres. Maman, ton téléphone, ton téléphone, ton téléphone. Donc voilà, ils auront au moins ça. Ça leur fera une guise de tablette, on va dire. Du coup, je vous disais que j'étais en train de préparer à manger. Et ensuite, je vais doucher Maïlys aussi. Et puis, voilà, on sera tranquille. On aura fini la journée. Il est 7h15. On le prend cool. Demain, il n'y a pas école. Donc, on peut le prendre un petit peu plus cool. Donc, ça fait du bien. Et puis, voilà. Rien de spécial sinon. Encore, ils vont finir le reste de flageolet et de haricots verts qu'on avait fait hier soir avec le poulet et avec des steaks. Voilà, ça va être vite fait, bien fait. Je suis dans un état au niveau de tout mon ventre ici. Je vous montre pas, je vous épargne les détails, mais avec le froid qui est arrivé, le frottement des habits, le froid, je suis complètement remplie de plaques. Ça me gratte, c'est horrible. Et ça me fait ça tous les étés, en fait, tous les hivers, pardon, tous les étés, n'importe quoi, tous les hivers, ça me fait ça. Et je sais pas si c'est le frottement, le froid, je sais pas, et ça me fait ça tout le temps, et que à ce niveau-là, là, au niveau du ventre. Mais alors, ça me brûle, ça me fait des plaques comme des dartres, en fait, c'est horrible. Donc ce soir, je vais essayer de passer un petit peu de crème, mais quand je passe la crème, du coup, ça brûle. Donc c'est un petit peu pénible. Bref, c'est pas grave. Je vais finir de préparer à manger et de doucher Madame Maïlys. Voilà. Et moi, mon repas de ce soir, ça va être juste ça. Voilà. On est passé à la Halle Provence. Ah, je sais pas comment ça s'appelle ce magasin-là. Ouais, Halle Provence ou je sais pas trop quoi. Bref. Et quand on est allé à Marie tout à l'heure, parce que du coup, on est en attendant Allison, on est parti à Marie. Et du coup, j'ai fait goûter les loulous là-bas parce que vu que je venais de les récupérer de l'école, ils avaient faim. Bref, l'ananas était à 1€ et la mangue, elle était à 3€ et quelques, mais elle est franchement énorme. Et j'ai pris des carottes aussi parce que j'avais pris du bourguignon pour faire demain soir. Donc il me manquait juste les carottes, donc je suis allée les chercher là-bas. J'ai pris 1,3 kg de carottes, la mangue, ça m'a fait 6€. Voilà, franchement ça va, je trouve que... Puis alors elle est bien bien molle, je pense que je vais me régaler avec la mangue, vraiment. J'en avais vraiment vraiment envie, en plus j'avais vraiment envie de quelque chose de frais et pas manger quelque chose de lourd ce soir, j'avais pas envie. Donc ouais, ça va bien passer je pense. Du coup je pense que je vais clôturer ce petit vlog pour aujourd'hui. En plus je vois que la batterie est en train de clignoter, de me dire c'est la fin de la journée, c'est la fin de la journée. Donc du coup c'est parfait, voilà, on tombe bien synchro tous les deux. Puis on vous retrouve demain, on a un match pour Myron, pas très très loin, c'est vraiment à côté. Donc ça c'est cool, on n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Et on doit partir sur Avignon l'après-midi pour trouver gants, écharpes, bonnets, etc. pour Myron et Maïlys parce que... Parce que j'ai envie qu'ils aient leur cours au frais. Autant les filles, elles ont des écharpes un petit peu comme ça, etc. Donc c'est bon. Mais eux, ils n'ont pas et ils commencent vraiment à faire froid le matin et tout. Donc je vais vraiment lui leur prendre des gants, etc. Puis même Myron, comme ça, quand il va aller au foot et tout, il aura au moins des gants. Et voilà, de quoi mettre sur sa tête, sur sa gorge. Bref, voilà, on a quelques petits trucs à faire. Donc on vous embarquera avec nous comme d'habitude. Mais en attendant, pour l'heure, je vous laisse parce que je suis vraiment claquée. Et j'ai qu'une hâte, c'est quand on mange, j'aille à la douche, pardon, et qu'on aille tous au lit. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. How can I tell you what I wanna do?